Eh bien, je suis Madame Pierre-Marie Annick, 38 années au sein de cette collectivité départementale. C'est évident que lorsque nous avons des manifestations, j'ai en charge eh bien, le bien-être de tous ceux qui y pénètrent et aussi la réception des personnalités de passage ici présentes. Alors, ce que je voudrais dire aux femmes de Guadeloupe, aux femmes de mon pays, en cette journée du 8 mars et en cette journée d'action et de mobilisation, de sensibilisation, je voudrais leur dire que nous sommes le maillon fort de la transmission des valeurs éducatives. Je voudrais vous dire à vous les femmes et à nous aussi, je voudrais vous dire que cette journée n'est pas seulement pour aujourd'hui, mais pour tous les jours, où nous devons transmettre des valeurs éducatives. Alors, femmes de Guadeloupe, debout et à partir de maintenant, relevons ce défi, le défi que nous avons connu hier qui a fait notre fierté, ce Potomitan que nous sommes, transmettons les valeurs éducatives. Femmes Guadeloupe, en nous reprend en main, ça y fait de nous hier, Potomitan à la Guadeloupe. Donc, nous reprend en main, transmission à éducation. Nous pas qu'à laguer en maille.